partais loin, je prenais beaucoup de plaisir à le faire, mais plus je me disais, mais finalement, je connais mal la France. Donc j'avais envie de découvrir cette France-là, de découvrir ses traditions, et à travers ses traditions culinaires, sa culture rurale notamment. Moi, j'ai toujours eu l'impression que j'aurais dû naître à la campagne. Ce sont vraiment les histoires qui sont derrière les recettes, finalement. Je me suis retrouvée dans les Landes, chez une dame de 85 ans, et elle m'a livré une recette d'alose, qui est un poisson du sud-ouest, qui a la particularité d'être truffé d'arêtes. Et depuis des générations, ils ont l'habitude de faire cuire ce poisson 48 heures. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'ancêtre de la cuisine basse température. C'est l'intelligence du cuisinier, finalement, du cuisinier amateur, c'est ça qui m'intéresse. C'est important de les transmettre, mais surtout, c'est important d'essayer à un moment de les écrire, de les filmer, en l'occurrence. C'est souvent un savoir-faire qui se transmet oralement. Enfin, jusque-là, c'était le cas. Avec Internet, tout a été bouleversé. Donc moi, c'est ça, c'est cette mémoire-là du geste, cette mémoire de... Parfois, ce sont des mémoires tout simplement familiales ou villageoises qui m'intéressent. Je suis contente quand c'est comme ça, chaleureux à Paris, c'est génial. Parfois, les gens me disent « Ah, j'ai fait ça, mais alors peut-être que ça manquait un peu de cuisson, c'est amusant. » Et moi, ça m'intéresse parce qu'en plus, une recette, c'est jamais figé, c'est tout le temps en évolution. Et puis parfois, ce qui va cuire dans mon four ne cuira pas de la même façon chez quelqu'un d'autre. Globalement, non, c'est toujours des rencontres très chaleureuses. Puis moi, ça me permet de voir effectivement comment les gens interprètent ce que je livre. Voilà. Merci beaucoup. Bonne lecture, j'espère que vous y trouverez votre compte. En tout cas, il y a beaucoup de recettes, mais derrière les recettes, il y a surtout beaucoup de voyages à faire à travers ce livre.